de tous les marchés flottants du delta du Mékong. Voici incontestablement le plus authentique. À Longchuen, loin des touristes, des centaines de bateaux de grossistes en fruits et légumes viennent vendre ici leurs produits chaque jour aux commerçants des villages alentours. Un marché coloré qui s'éveille tous les jours à l'aube. Depuis 20 ans, Dong Muoy vend ici des produits qu'il achète à des agriculteurs de la région. En ce moment, c'est la saison des ananas. Tous les matins, j'accroche sur ce bâton un exemplaire de ce que je propose. C'est pour que les acheteurs sachent ce que j'ai. Sur les 20 tonnes d'ananas qu'il avait en début de semaine dans la cale de son bateau, il lui en reste encore deux à vendre. Chaque mois, Dong Muoy gagne environ 500 euros. Ça fait tellement longtemps que je travaille ici, je m'y sens comme à la maison. Je connais tout le monde. Sur ce marché, il faut savoir négocier. Les clients s'enchaînent et veulent toujours faire tomber les prix. Comme Nguyen Tumicho, experte en la matière. Tu les vends combien tes ananas ? C'est 55 centimes d'euros l'unité. Ok, je te les prends à 50 centimes. Non, à ce prix-là, je ne peux pas te le faire. Je t'ai déjà fait une belle offre, tu le sais très bien. Il faut toujours négocier. Si le prix est trop élevé, après, je ne peux pas vendre, moi. Je perds de l'argent. La spécialité du marché de Longchuen, ce sont aussi ses poissons. Ce bras du Mékong compte une dizaine de villages de pêcheurs comme celui-ci. Chaque jour, cet homme part pêcher pour ensuite revendre ses prises sur le marché. Voilà, ici, il y a pas mal de poissons. Il trouve ici des crevettes et des poissons du Mékong, des barbeaux de Java. Grâce à ce que je pêche, je gagne de quoi me nourrir et nourrir ma famille. C'est le fleuve qui nous maintient en vie. Le Mékong est très important pour nous, pour tous ceux qui vivent ici. On aime ce fleuve. Un fleuve nourricier sur lequel naviguent aussi des vendeuses de soupe de nouilles, les traditionnels pho vietnamiens. Tous les matins sur le marché, elles s'approchent des bateaux. Comme Phat Thet Thuit, 40 ans de métier. Hey, vous voulez manger quelque chose ? Un pho, ça vous dit ? Les bols sont préparés sur place, à la demande. Tous les jours, je prépare les plats chez moi dès 2h30 du matin, puis je viens les vendre ici. Je change de recette chaque jour. Aujourd'hui, c'est soupe de nouilles au crabe. Demain, ça sera peut-être soupe au poisson. Vers midi, à la fermeture du marché, les acheteurs de fruits et légumes rejoignent cette halle sur la terre ferme. C'est ici qu'ils vendent leurs produits achetés sur le fleuve. Nguyen Tumicho, la commerçante que nous avions rencontrée sur son bateau, décharge sa cargaison d'ananas. J'en vends 2000 pièces environ chaque jour, à d'autres commerçants ou à des particuliers. Au milieu des étals, How are you? Quoi crème? Résonne souvent l'accent français de Laurent Joly. Ce restaurateur, installé au Vietnam depuis 7 ans et marié à une Vietnamienne, vient y faire ses courses pour son établissement. Sur ce marché, livré tous les jours par bateau, les produits viennent de toute la région du delta du Mékong. Le fleuve, le Mékong, il a énormément de bras, donc la circulation sur l'eau est beaucoup plus facile que sur route. Donc ça va beaucoup plus vite, les livraisons se font beaucoup mieux et tout se passe effectivement par l'eau. Dans son restaurant, à la décoration très évocatrice, Laurent Joly, originaire de région parisienne, propose des plats français, tous préparés à partir de produits vietnamiens du marché. Les clients adorent. C'est délicieux. Et cela ravit le chef. Je suis très fier de monter un restaurant français au Vietnam et c'est vraiment apporter un petit goût de France au Vietnam. Créé il y a 55 ans, le marché flottant de Longchuen fournit des milliers d'habitants dans la région et offre une image carte postale du Vietnam.